Ajaccio, le pays de la rubalise. Et qu'est-ce qu'on va aller voir là-bas? Alors le panneau réservé Goupil SVP, merci. Eh ben on est en place, hein? Regardez, il y a le petit Goupil au faux qui fuit. À tous ceux qui rêvent. Ça se passe comment le truc? L'anglais, il y a le sac poubelle là, mais c'est quand même pas compliqué. Ou alors. Donc les canettes, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Là. Le tri, c'est là-bas que ça se passe. Tu laisses ton derrière. Allez, allez. Ouais, c'est essentiellement ça. Non, mais attends, regarde. C'est vrai que c'est dégueulasse. Du coup, c'est par le bas, c'est ça. Oh. Oh, scandale. Dégueulasse là! Pour le et Jean, je nique la planète. Et mais Jean-Paul Gaultier va quand même. Mais j'y vais quand même. Et on va, hey, on va te surveiller, on va faire deux actions en une. Oh là là! Le mec vient d'arriver quoi. Ouais. Non, ça c'est ma grille, hein. t'es gentil de pas mettre la bière dedans. Oh, il se trompe! Non, ça c'est. Alors ça, voilà, déjà il y a une bouteille dedans. Ça, ça n'a rien à faire la bouteille dedans. Mais ça c'est pas le tri, c'est normal. Bah si, le plastique ça se. Zoom comme ça. Là et là, oh, il y a eu une grosse soirée déjà ici. Hein. Et ça n'a pas plié. Ça n'a pas plié la canette. Elle va plier la canette. Ça n'a pas été plié. Tu vois là-dedans. Tu vois, c'est les vrais. Ça sent les vrais. Ça, c'est les vrais. Non, mais je suis d'accord. Ceux qui n'ont rien foutu hier. Je suis d'accord avec lui. Bonjour Stéphanie de Rosier. Action numéro 3. Eh non, c'est pas du tout ça. Si, je fais pipi sous la douche ou dans l'eau. Et tu peux mettre aussi action 9, là, je prends du bon temps. Ah ouais, c'est vrai. Action 9. Ouais. Eh oui. Bon, alors, action 3, on en était où? C'est le problème, c'est qu'avec la GoPro, on voit rien. Comment ça se passe, l'action 3? Bravo, et après on parle du réchauffement climatique. Hein. Ton action préférée? C'est la 9. Et... voilà, donc je vois que Solène a déjà bien entamé et repensé son action au temps. C'est bien, on peut te l'accorder celle-là, mais ça c'est la plus facile. Là il est 11h et Quentin il a commencé la coco. Et je pense qu'on refera un film à 15h30 quand il aura fini la coco. I went in Saint Malo in France. Ah non, Saint Malo. For training, you know. C'est là qui paye ou non. You know. Yeah. So. Mais les gens, ils vont où? Ça va chasser le dugon, ça. Hein, ça va péter le dugon. Bah bravo. Eh bien, vois-tu, c'est ça certainement. On ne peut pas douter d'une chose évidente, et ça, c'est évident. Car je voulais pas m'abandonner comme un simple rêveur. De quoi parles-tu, mon cher? Du bonheur. Ah, et oui. Voyez-vous ça. Je suis un peu comme un forçat qui parlerait de liberté. Et je voudrais en vérité parler avec plus d'éloquence de ma nouvelle connaissance. Mais je ne trouve rien sinon que c'est bien ça. Oui, c'est ça le bonheur, voilà. Allez, joyeux anniv, hein? Blague, 10 ans, vivement les 20 ans. Hein, je sais pas si on sera encore invité. Oh, en tout cas, j'y serai. Hein. Donc, on va être fatigué. On sera là. Bon, Quentin, c'est le moment. Hein. Le moment, on est là. Honneur quand même à toi. Quentin. Ouais, Quentin, ouais, c'est toi qui vas l'offrir. Je pense que tu peux l'offrir à Solène. 10 ans, ouais, c'est quoi? 10 ans, c'est les noces de. C'est les noces des. Waouh, ils savent les vieux, comme on dit. Tout dessiné à la bronze et tout. Je sais pas du
niquer, c'est la vie de plusieurs pays pour pas mentir les trois fois. Moi j'allais, ils ont pris le papé cadeau à l'armurerie. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu... Voilà, un beau trophée pour vos 10 ans. Hein, vous en pensez quoi? Parce que vous avez des jolis sourires, mais... Et vous allez... C'est quoi ce truc? Voilà, voilà. C'est la nouvelle variante de Dubichou. C'est en état, c'est pour 10 ans. Voilà. Et je trouve ça trop beau, moi. Mais oui. Oui, c'est comme ça. Non, non, pour décorer. Non, non, mais c'est le genre de mission pour des copains. Pour décorer ça. Les toilettes. Merci. Mais du coup, ils ont toujours pas tout ce qu'ils ont. Ils ont l'air très gênés, hein, quand même. Et je le veux à l'entrée de la maison. Je le veux à l'entrée. Non, parce qu'il a dû piquer ça dans les ateliers, quand même, le ramener, faire ça chez lui. C'est quand même péché, hein. Après, il faut expliquer pourquoi un totem. Pourquoi un totem? Eh ben ça, même moi, j'ai pas suivi, donc je pourrais pas te dire. Bah, c'était ton pied-patte. C'est vrai. Je crois que j'ai... C'est toi qui as dit un totem des peut-être bu.